engine on the surface. It's 230 at about 6 knots. We'll give you an ident pilot attacking. Pendant la Première Guerre mondiale, les missions de reconnaissance maritime et de lutte anti-sous-marine étaient dévolues aux hydravions du Royal Naval Air Service. En 1936, ces deux missions furent placées sous la responsabilité du Coastal Command récemment créé. Bien qu'épaulés par des avions terrestres comme le Avro Hanson ou le Lockheed Hudson et des bombardiers reconvertis comme le Liberator et le B-17, les hydravions du Coastal Command furent au sommet de leur carrière durant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, le Short Sunderland et le Consolidated Catalina étaient devenus des armes particulièrement efficaces contre les sous-marins et les navires de surface. La guerre avait aussi prouvé la nécessité de disposer d'un service de secours en mer au sein des forces aériennes. Les hydravions avaient montré toute leur efficacité dans ces missions, autant que dans leur fonction première. En dépit de leur succès dans ces trois missions, l'intérêt officiel pour ce type d'avion était sur le déclin. Un avion terrestre, le Avro Shackleton, fut choisi pour remplacer les avions américains acquis par le système pré-bail dans la RAF d'après-guerre. Résultat de l'évolution du bombardier Lincoln, il fut le dernier avion à moteur à piston à être utilisé en première ligne par la RAF. Conçu pour être un appareil de transition avant qu'un avion spécifiquement dédié à cette mission ne soit construit, le Shackleton entra en service en 1951. Il fut la colonne vertébrale du Coastal Command jusqu'à l'arrivée du Nimrod, 18 ans plus tard. En 1952, un an après l'entrée en service du Shackleton dans la RAF, De Havilland présenta le premier avion de ligne à réaction, le Comet 1. «
Les sous-marins les plus modernes étaient à la fois plus rapides et plus silencieux que leurs prédécesseurs de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à une autonomie accrue et une capacité à rester plus longtemps en plongée, ils étaient devenus très difficiles à détecter. L'Union soviétique développait une importante flotte comprenant des sous-marins à propulsion nucléaire et la menace qu'ils constituaient nécessitait des avions plus puissants et plus modernes que le Shackleton. En dépit des accidents des comètes en 1953 et 1954, en 1960, l'attention des officiels se porta sur cet avion de ligne. Lorsqu'il entra en service en 1956, le Comète 2 équipa le premier escadron de transport disposant d'avions à réaction. Les comètes civils avaient prouvé par l'usage intensif qu'en faisaient les compagnies aériennes que leur réacteur Rolls-Royce 7 pouvait les emmener facilement vers n'importe quel aérodrome de la planète. Les exigences de la RAF pour le remplacement du Shackleton portait sur la capacité à transiter vers un point éloigné dans le plus court délai possible. Une fois dans la zone cible, l'avion devait être capable de voler suffisamment lentement pour effectuer une recherche efficace et, dans le même temps, être assez manœuvrant pour attaquer à basse altitude. Le Shackleton s'était avéré très fatigant pour ses équipages lors des longs vols de transit. L'aménagement du nouvel appareil devait donc être conçu pour économiser les forces de son équipage. Avec l'arrivée du comète 4C en 1962, l'avion voyait sa vitesse et sa masse augmenter. Il pouvait emporter 94 passagers, plus du double du comète 2, et avait une vitesse maximum de 800 km/h. Pour le remplacement du Shackleton, le comète 4 était un choix évident. En juin 1964, le ministère de l'Air publia la note 381 qui définissait les grandes lignes pour l'avion à venir et l'année suivante, le gouvernement annonça finalement que cette fiche programme serait remplie par une version maritime du Comète 4. L'avion de ligne avait une charge utile supérieure à 10 tonnes, mais pour laisser de la place aux très volumineux équipements spécialisés et armements demandés par la RAF, la cellule du comète devait être élargie. Ce concept donna naissance à un nouvel avion doté d'une section non pressurisée,
c'est-à-dire la soute à armement ajoutée sous le fuselage pressurisé du Comet. Les moteurs standards du Comet, les Rolls-Royce 7, furent remplacés par des réacteurs militaires plus puissants, les Rolls-Royce Spey. Avec une poussée unitaire de 5200 kg, le Spey disposait d'une puissance supérieure de 1800 kg. Le travail commença sur le prototype en 1965. Il était conçu à partir d'une cellule neuve, mais non terminée, d'un Comet. Il fut construit à Chester et reçut le numéro de série RAF-XV-148. En 1967, le nouvel appareil reçut officiellement le nom de Nimrod, du nom d'un valeureux chasseur du livre de la Genèse. Le 23 mai, le prototype décolla pour la première fois entre les mains du pilote d'essai de Hawker Siddeley, John Cunningham. Deux mois plus tard, il fut suivi par le vol inaugural d'un second prototype, le XV-147. Le Nimrod conservait la même envergure que le Comet, soit 34 mètres. Un radome ajouté à la queue augmentait notablement la longueur totale de l'avion. Des hublots supplémentaires furent ajoutés au cockpit pour améliorer la visibilité de l'équipage lors de ses manœuvres. Grâce à des réservoirs de carburant additionnels et des moteurs plus puissants, le Nimrod avait le double d'autonomie que ses équivalents civils, en dépit de sa masse maximale de 85 tonnes. Un réservoir de carburant fut ajouté sur le bord d'attaque de chaque aile et un phare de recherche de 70 millions de candelas fut installé dans celui de tribord. Les deux prototypes furent utilisés pour le développement du concept. Le XV-147 fut employé comme banc d'essai volant pour les équipements, tandis que le XV-148 fut utilisé pour les essais et le travail de développement sur la cellule et les réacteurs. Le premier Nimrod de production tout équipé, Nimrod MR1, fit son premier vol le 28 juin 1968. Avec une vitesse maximale de 900 km/h et une vitesse de croisière de 780 km/h, son autonomie maximale est de 9600 km. Il peut tenir 12 heures en l'air. Ces chiffres signifient que l'avion est capable de se rendre à 1600 km de sa base à relativement grande vitesse. Arrivé sur sa cible ou dans la zone de recherche, il peut patrouiller plus de 6 heures. Trois autres MR1 suivirent la première machine, et à l'automne 1969, le XV-230 devint le premier des 40 MR1 commandés à entrer en service au sein de la RAF. Il fut le premier quadri-réacteur de toutes les forces aériennes du monde à être utilisé comme avion de patrouille maritime. Le XV-230 fut livré au squadron de transformation opérationnelle 236, basé à Saint-Maugan, au moment même où le Coastal Command était dissous pour être remplacé par le nouveau groupe maritime 18 du Strike Command.
En 1972, les MR1 restants avaient tous été livrés. Ensemble, ils équipaient 5 squadrons du Strike Command, basés au Royaume-Uni, et 2 autres basés à Malte et en Sicile. Au moment de son entrée en service, l'équipement que le Nimrod emportait était déjà bien loin des bricolages employés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'arrivée du détecteur d'anomalies magnétiques donnait au Nimrod la capacité importante de faire la distinction entre un sous-marin et d'autres contacts trompeurs, comme les bancs de poissons. Les systèmes de détection sous-marin avaient évolué depuis les Asdic de l'époque de la guerre pour devenir des outils d'écoute, les fameuses bouées acoustiques. En plus de bombes conventionnelles, une grande variété d'armements comprenant les plus modernes torpilles et des charges de profondeur nucléaire, des bombes à fragmentation et des missiles air-mer pouvaient être embarqués dans la soute ventrale. Le MR1 était équipé du radar ASV-21, originellement utilisé sur les dernières versions du Shackleton. Avec une portée de 270 km, le ASV-21 était un radar efficace, mais d'autres systèmes plus avancés encore étaient à l'horizon. Il avait été décidé, presque au départ du projet, que tous les Nimrod disposeraient du nouveau et hautement sophistiqué système EMI Searchwater. Cette décision, en plus de nouveaux développements dans d'autres domaines de l'électronique embarquée, conduisit à un chantier de modernisation de la version MR1. Comme des systèmes de plus en plus complexes et avancés devenaient opérationnels, la version MR1 allait être convertie au bout d'un certain temps en un nouveau standard sous le nom de Nimrod MR2. Commencé en 1975, le programme de conversion devait durer les 10 années suivantes. L'essentiel des changements concernait l'installation de nouveaux équipements et des modifications de l'organisation des différentes antennes. 2 pods, chacun disposant de radomes avant et arrière, furent montés en bout d'aile pour abriter les équipements du système de mesure de soutien électronique LORAL. L'apparence extérieure de l'avion en fut grandement modifiée.
En plus de ces deux missions de reconnaissance maritime et de lutte anti-sous-marine, un troisième et tout aussi vital rôle était prévu pour le Nimrod, celui d'avion d'alerte aéroportée avancée, AEW, qui devait être employé pour contrer la menace d'avions hostiles ou de missiles entrant dans l'espace aérien britannique à basse altitude. Suivant une décision du gouvernement de 1969 de retirer du service les porte-avions de la marine, le système AEW devait, dans l'avenir, également procurer une protection aux navires de la flotte depuis des bases terrestres. Annoncé en 1977, le Nimrod AEW-3 devait remplacer les vieux Shackleton AEW-2, qui avaient dû tenir ce rôle de façon temporaire au début de la décennie. Utilisant le fuselage MR, le premier appareil de développement du AEW-3 décolla en juillet 1980. Il était doté de deux radomes volumineux, chacun abritant une antenne radar Marconi de 180 degrés. Monté à l'avant et à l'arrière du fuselage, ces deux radars permettaient une couverture à longue distance sur 360 degrés. Une fois un intrus localisé, un système de traitement de données sophistiqué le suivait, tandis que des chasseurs étaient envoyés pour l'intercepter ou le détruire. L'équipement radio était très complet et le AEW-3 pouvait communiquer avec n'importe quel navire, station terrestre ou sous-marin. On espérait pouvoir produire un total de 11 avions, mais le projet fut constamment confronté à des retards à répétition. Des problèmes avec l'installation des équipements électroniques dus à la taille de la cellule du MR conduisirent à une spirale d'augmentation des coûts. Au milieu des années 80, après que les dépenses aient dépassé le milliard de livres sterling, le gouvernement commença à envisager sérieusement d'autres options. Les Boeing E-3 AWACS étaient en service avec l'US Air Force depuis 1981 et 18 d'entre eux avaient rejoint la flotte de l'OTAN. Une énorme antenne radar montée au sommet du fuselage donnait à l'AWACS une portée effective supérieure à 400 km. Après bien des débats, le gouvernement se prononça en faveur de l'avion américain. En décembre 1986, il annonça l'annulation du projet du Nimrod AEW.
Quatre ans auparavant, la guerre des Malouines avait entraîné de très rapides modifications sur les Nimrod MR. Des pylônes furent installés, permettant à l'avion d'emporter des missiles RR Sidewinder pour son autodéfense. Afin de couvrir les navires et les avions convoyés vers l'Atlantique Sud, et pour donner assez d'autonomie aux patrouilles à longue distance autour des îles Falkland, les Nimrod avaient besoin d'un système de ravitaillement en vol. Ce fut, pour les ingénieurs, une véritable course contre la montre. Les perches de ravitaillement en vol furent ajoutées au-dessus du cockpit, et tout le système de canalisation fut créé et installé en moins de 3 semaines. Ces avions ainsi équipés reçurent la désignation de Nimrod MR2P. Ils pouvaient rester en vol pendant près de 20 heures. Après la guerre, le programme de conversion des MR2 continua tel qu'il avait été originellement prévu et fut effectué en moins de 2 ans. À l'automne 1984, le dernier MR1 décollait de sa base pour rejoindre l'usine de Woodford. Pour faire voler cet avion et se servir de l'équipement complexe qu'il emportait, l'équipage d'un Nimrod est inhabituellement important. L'équipage standard d'un Nimrod est de 13 hommes, dont 5 officiers. Les 8 autres sont des sous-officiers. Les 2 pilotes sont généralement au grade de flight lieutenant ou de flying officer. Un mécanicien navigant sous-officier d'expérience, mais chaque unité a un chef mécanicien de bord qui est officier, 2 officiers navigateurs et un officier d'électronique. Nous avons ce que nous appelons les équipes mouillées et sèches. L'équipe mouillée est en charge du côté acoustique de l'appareil, tandis que l'équipe sèche s'occupe du radar, de la radio, des mesures de soutien électronique et du MAD, détection d'anomalies magnétiques. Ce sont des sous-officiers d'expérience. Il y en a normalement 3 dans l'équipe mouillée et 4 dans l'équipe sèche. La mission du Nimrod est la surveillance maritime et la lutte anti-sous-marine. Un avion est en alerte en 1 heure pour les besoins de recherche et sauvetage 365 jours par an. Lors d'une journée normale, l'équipage arrive environ 2h30 avant le décollage pour préparer la mission. Généralement, 1h30 avant l'heure prévue pour le vol, l'équipage se rassemble pour un briefing et discute de son bon déroulement. Ensuite, il se rend à l'avion 1 heure avant et met les réacteurs en route 20 minutes avant le décollage. Et puis ils partent. Ils partent 6 heures pour une mission d'entraînement pour l'équipage, 3 à 4 heures pour un vol d'entraînement pour les pilotes et 8 heures pour une mission opérationnelle. Après l'atterrissage, il faut stopper l'avion, faire un débriefing avec les équipes au sol sur les éventuels problèmes rencontrés avec l'avion, retourner aux opérations pour un débriefing d'équipage avant de rentrer à la maison. Une longue journée.
Le Nimrod est manœuvré par un pilote et un copilote. Le mécanicien navigant est assis derrière eux sur le côté droit du fuselage. Derrière le cockpit se trouve la console de navigation et les deux navigateurs. Le premier est en charge d'amener l'avion au bon endroit, au bon moment, et de gérer les différents aspects d'une navigation ordinaire. À côté de lui s'assied le navigateur tactique. Lorsque l'avion arrive sur zone, il prend à son compte la navigation et, en fonction de la mission, dirige l'avion. Les informations sont données par le pilote automatique Smith. Les systèmes de navigation et le radar, ainsi que les données des systèmes électroniques de combat et d'armement qui alimentent le système tactique. Il est au cœur du Nimrod. Le résultat est affiché sur un écran circulaire de 24 pouces. En montrant la position de l'avion et les positions relatives des sous-marins, des navires de surface et des bouées acoustiques, le navigateur tactique dispose d'une vision complète de la situation générale. Avec ces informations continuellement mises à jour, il peut utiliser le pilote automatique pour diriger le Nimrod vers n'importe quel point intéressant. Derrière les navigateurs, les équipements électroniques restants sont surveillés par un officier AEO, Air Electronic Officer, et par un groupe d'opérateurs acoustiques, un opérateur radar et un autre en charge du MAD et des mesures de soutien électronique, ESM. L'AEO supervise une équipe de trois acousticiens assis face à une large console installée sur le côté tribord de l'avion. Le Nimrod emporte une importante cargaison de bouées acoustiques constituée de modèles passifs et actifs. Bien qu'elles soient toutes conçues pour détecter les bruits sous la mer, elles utilisent différents principes. Les bouées passives, telles le modèle Jezebel, écoutent les sons via un hydrophone, sur le principe d'un micro sous-marin. Les bouées actives, comme la Ranger, opèrent selon le principe de l'ASDIC de la Deuxième Guerre mondiale, en émettant leur propre signal sonore. Quand ce son touche un sous-marin, le signal est renvoyé, si bien que les bouées perçoivent leur propre écho. Les signaux reçus à la fois par les bouées actives et passives peuvent être analysés par les opérateurs acoustiques du Nimrod avec l'aide d'un système Marconi AQS-901. Une chasse au sous-marin classique, un Nimrod commencerait par larguer des bouées passives autour de la position supposée de la cible. Elles peuvent être larguées une à une par un lanceur simple ou bien en quantité en utilisant un ou deux des lanceurs à six tubes installés à l'arrière du fuselage. Complètement silencieuses, les bouées passives sont capables d'écouter tout en étant totalement indétectables par les appareils du sous-marin. Quand un contact positif est établi, le Nimrod va lancer des bouées actives selon un quadrillage précis pour déterminer la position et la direction de la cible. Aussitôt qu'elle commence à transmettre, le son émis par les bouées actives peut être facilement perçu par la cible. Mais au moment où le sous-marin détecte la présence de son chasseur, il est possible qu'il soit déjà trop tard pour fuir. Dans l'avion, le AQS-901 traite toutes les informations reçues des bouées acoustiques et affiche les résultats pour les opérateurs. Chacun d'eux est entraîné à l'art d'interpréter l'affichage de l'AQS
et si nécessaire, de transmettre les infos au navigateur tactique. Ce dernier est capable de gérer la situation, planifier l'attaque du Nimrod et coordonner le système d'armes. À l'opposé des opérateurs acoustiques se trouvent les opérateurs radars. Le radar EMI Searchwater est un système air surface capable de détecter les plus gros navires à une portée supérieure à 200 km. Il peut permettre d'identifier ces navires en dessinant leur silhouette sur l'écran et avec sa haute résolution, peut détecter un très discret périscope à longue distance, même par mer agitée. Tout comme le modèle AEW-3, l'Enimrod MR dispose d'une pléthore d'équipements de radiocommunication afin de pourvoir à toutes éventualités. Ces équipements de communication comportent un IFF, identificateur ami-ennemi, un système de brouillage et un récepteur pour capter les signaux de détresse des balises de secours. Tous ces équipements sont sous la responsabilité de l'opérateur radio de la console située à bâbord. Détecteur d'anomalies magnétiques, MAD, est un autre outil de détection passive de sous-marins. Tout objet métallique important cause des perturbations du champ magnétique terrestre. Puisque la coque d'un sous-marin est constituée de métal ferreux, il en résulte une modification magnétique locale qui peut être perçue par le système MAD. Une fois que la cible a été localisée au radar et la position précisée grâce au bouée acoustique, le MAD apporte une preuve définitive de la présence d'un sous-marin. Pour éviter les perturbations du système entraînées par la masse métallique que constitue l'avion, le système de détection MAD est installé dans la longue perche fixée tout à l'arrière de la queue de l'avion. Même si le Nimrod peut emporter une grande variété d'armes, y compris des charges nucléaires de profondeur, son armement principal est constitué de torpilles à guidage acoustique. La torpille Mark 46 est dotée d'un système qui lui permet de chercher et d'attaquer un sous-marin en filant à très haute vitesse en eau profonde. La torpille Stingray dispose de son propre ordinateur pour son système de guidage et peut être utilisée contre le sous-marin naviguant dans les hauts fonds comme dans les profondeurs. Pour attaquer les bâtiments de surface, le Nimrod peut utiliser ses bombes conventionnelles ou bien le missile Harpoon anti-navire. Il peut en emporter deux sous les pylônes d'ailes à la place des missiles Air-Air Sidewinder. Des lance-leurs épaulent les systèmes de défense de l'avion. La photo prend une part importante dans les missions de reconnaissance du Nimrod. Plusieurs appareils sont emportés, qu'ils soient fixes ou manipulables. Deux sont montés en permanence et prennent des photos à travers le fuselage à l'arrière de l'avion. Les fenêtres bulles sur les côtés du fuselage permettent l'emploi d'appareils photo sans affecter le système de pressurisation de l'appareil. En reliant les caméras fixes au système de navigation, la position exacte d'un navire, d'un sous-marin ou de n'importe quel autre bateau peut être affichée sur le cliché.
Dans le cas d'une intrusion non autorisée d'un navire de guerre ou bien d'un conflit à propos des zones de pêche, les photographies peuvent constituer des preuves d'infraction. Les patrouilles de surveillance de la pêche sont menées par les Nimrod quotidiennement, toute l'année. Financées par le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, ces vols sont généralement appelés patrouilles de tapisserie. Les preuves photographiques ramenées de chaque vol sont analysées par les experts du ministère et, si nécessaire, des actions légales peuvent être intentées par les cours de justice internationale européenne. La mission principale du Nimrod est donc la surveillance maritime et la lutte anti-sous-marine. Dans ses missions de recherche et sauvetage, un Nimrod est en alerte 365 jours par an. Il peut être appelé à l'aide pour de multiples raisons. Ça peut être pour un avion de ligne qui aurait perdu un réacteur. Le Nimrod décollerait pour l'escorter jusqu'à terre, assurant sa sécurité vers Shannon, en Irlande du Sud. Ce peut être tout aussi bien pour une explosion sur une plateforme pétrolière, comme c'est arrivé dans le passé, pour rechercher des survivants et coordonner les secours. Le Nimrod ne pourrait évidemment pas s'arrêter pour récupérer quelqu'un. Son rôle est de larguer des radeaux de survie, mais surtout de coordonner les secours en guidant les hélicoptères et en surveillant leur position, guider les navires de surface, qu'ils soient civils ou militaires, et contrôler l'ensemble des moyens impliqués dans la recherche. Le matériel emporté pour une mission de sauvetage comprend des fusées éclairantes, des radeaux de survie, de l'équipement médical et des balises fumigènes. En raison des conditions météo très difficiles dans lesquelles le Nimrod peut être amené à voler, chaque avion subit un programme spécial de nettoyage et d'inspection méticuleuse. Les embruns que l'avion a traversés lors de ses vols à basse altitude peuvent s'accumuler dans les endroits les plus inattendus. Si l'avion vole régulièrement au-dessus de l'eau, l'atmosphère saline peut accélérer les phénomènes de corrosion. Si cette corrosion n'est pas surveillée, cela peut entraîner de sérieux dégâts sur la cellule de l'avion et inévitablement accélérer son vieillissement. Pour contrer ce problème, les Nimrod disposent d'installations de nettoyage spécifiques qui permettent de laver l'avion après chaque vol. La maintenance quotidienne comprend des inspections minutieuses, y compris internes, pour éviter tout dégât causé par la condensation d'eau salée, même à l'intérieur de l'avion. À l'occasion des révisions générales, tout l'avion est nettoyé pour enlever toute trace de corrosion avant que l'avion ne soit repeint. La grande visite est un entretien majeur, programmé à 2400 heures de vol, soit à peu près 4 ans et demi. Nous reconstruisons pratiquement toute la cellule de l'avion, ce qui comprend l'enlèvement des pièces endommagées, leur réparation ou leur remplacement, et la réinstallation. Cet avion est dans le hangar depuis 115 jours ouvrables. Il va y passer 6 mois. Je travaille à l'ACU Nimrod de la base de Kinloss. Je fais partie des instructeurs au sol. Mon boulot est de donner des cours au sol aux stagiaires et occasionnellement de voler sur l'avion en tant que copilote. On prend cette place, mais quelquefois nous jouons au commandant de bord. Aujourd'hui, j'assure le rôle de copilote. Copilote.
Le Nimrod aujourd'hui garde ses missions primaires de temps de guerre, c'est-à-dire s'occuper des sous-marins et des navires de surface, et ses missions de temps de paix comme la recherche et le sauvetage. Nous avons des Nimrod qui interviennent au sein des opérations internationales, comme celles menées en ex-Yougoslavie. Après plus d'un quart de siècle et des milliers d'heures de vol effectuées pour toutes sortes de missions, un seul Nimrod a été perdu. En dépit des controverses autour de l'échec de la version AEW-3, les Nimrod de reconnaissance maritime continuent leurs importantes missions. Ils ont joué un rôle vital, à la fois pour la défense de la Grande-Bretagne, mais aussi pour la protection de ses intérêts économiques. Au cours des missions cruciales de recherche et sauvetage, ils ont porté secours à de nombreuses personnes. Ils seront en service sous le standard actuel jusqu'en 2010 et dans l'avenir, sous de nouvelles configurations.